Salut à tous. Alors hier, je suis allé faire un trajet à Fontaine et Taupefour. Oui, c'est un nom à coucher dehors. Je connaissais même pas la ville. C'est entre Caen et Verson, du coup. Et voilà, je suis parti avec 78% de batterie, 369 km d'autonomie. Donc voilà, la conso a été plutôt pas mal, vu que j'ai fait 10,3 km au 100 pour 55 km effectués en 1 h 04 min. Il faisait 8 degrés, hein, donc pas mal de soleil, pas de pluie cette fois, pas de vent non plus. Donc ça va bien arranger pour la conso. Et donc voilà, 70% de batterie et seulement 8% dépensé à la. Allez, le bilan maintenant. J'ai fait au total 121,7 km dans ce trajet pour une conso globale de 11,8 km au 100 et une durée de 2 h 23. Et au retour, j'ai fait 66,6 km pour une conso de 12,9 km au 100 et une température de 2 degrés et j'ai mis 1 h 19 à peu près. Donc voilà, conso très bonne, hein, je trouve, par rapport à la température qui était de 2 degrés au retour. Je suis passé par 2, 3, 4. Donc, en moyenne, je vais mettre 3 degrés, je finis avec 56% de batterie et 260 km estimés. Donc, c'est plutôt un très bon trajet. Franchement, très content là. Et donc, le petit bilan de ce trajet, 24e en termes de conso, 11,8 km au 100 pour une température moyenne de 6 degrés sur l'aller et le retour. 51 km de moyenne quand même, c'est plus élevé que d'habitude parce que j'ai pas eu de feu, du coup, voilà, c'est allé plus vite. Et voilà, j'ai pas perdu de temps au feu et ça explique aussi la faible consommation malgré le froid. Donc, en termes de kilomètres, le trajet se situe 17e de tout ce que j'ai fait. Donc, 121,7 km, hein, c'est de la rigolade pour le connard. Seulement 22% de batterie dépensée, moins d'un quart du coup. C'est quand même un très bon score, hein, honnêtement. Malgré le froid, j'attends de voir cet été, mais ça va être impeccable cet été. Allez, ciao!